Chers amis de la communauté Congobon, bienvenue. Aujourd'hui, nous voulons, sur notre plateforme, partager une expérience importante. Et cette expérience concerne notre méthode, la méthode du potentiel cumulé par 10. Cette expérience concerne un de nos membres, celui qui s'est engagé, que nous avons financé à $50 pour pouvoir expérimenter cette méthode. L'ami a, n'est-ce pas, été formé. Toutes les étapes de formation, il a été expert parmi les 10 premiers qui ont commencé à exploiter la méthode. Il était parmi les plus pratiques, les plus pragmatiques, les plus intelligents et les plus expressifs en toutes choses. Il était proactif parce qu'il a trouvé lui-même les domaines dans lesquels il devait commencer. Parce que vous savez que notre méthode, c'est une méthode très simple. La première chose, c'est qu'il faut avoir votre capacité de gain. Vous l'avez, tout le monde l'a, toute la potentialité. Chacun a tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer. Et les garçons, il était vraiment très conscient de ça. Il l'a trouvé. Et ainsi, la communauté a décidé de le financer. $50 lui ont été remis et il a commencé. On l'évaluait tous les jours. Et même aujourd'hui, on continue à le faire. Heureusement, les gars, très proactifs, très engagés, il a trouvé les domaines dans lesquels s'engager pour pouvoir lui permettre d'avoir 10% des marges nettes chaque jour de son travail. Et il a trouvé ce domaine à partir de $50. Au 10e jour, ça paraissait très simple parce que c'est les potentiels cumulés. Mais au 18e jour, tout a commencé à se présenter autrement. De sorte que au 50e jour, le garçon avait déjà atteint près de $1000. Il est content, il est bon. On arrive au 60e jour, les jeunes hommes étaient déjà à $4000. Alors, qu'est-ce qu'il nous apprend ? Vers les 65e, 70e jour, il arrive, maître Cordon, je suis très engagé. Vous avez vu comment j'ai fait. Mais là, je suis content de ce que j'ai déjà trouvé comme argent. Et je suis décidé de me marier. Alors, quelle surprise! Quelle surprise! Quelle surprise! Parce que là, les garçons ont abandonné au départ l'objectif qui a été défini. L'objectif que l'on définit à travers notre méthode du potentiel cumulé, ce n'est pas d'avoir de l'argent pour répondre à un besoin urgent de votre vie. Non. C'est pour avoir un capital qui vous permet de créer une entreprise pour vous. C'est pour avoir un grand montant qui permet à la communauté de vous accompagner à créer une entreprise formelle, une entreprise qui va engager les gens, une entreprise qui va aller de l'avant. Et voilà. Le garçon nous amène sa préoccupation, c'était les mariages. C'est-à-dire, les 4000 francs d'argent qu'il a, les 4000 $ permettaient, déjà dans son compte, dans les, au niveau de notre communauté, il voudrait prendre tout cet argent pour aller, n'est-ce pas, se marier. Mais là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour lui. Ça devient compliqué pour la communauté. La communauté a mis au point cette méthode et d'ailleurs finance des jeunes qui veulent s'engager dans cette méthode en commençant par leur donner une formation adéquate, une formation très vraiment pertinente pour leur apprendre grâce à l'éducation financière, non seulement à connaître tout ce qu'il y a autour des finances, mais aussi à savoir, n'est-ce pas, développer leur créativité pour être un bel entrepreneur dans la mesure de pouvoir choisir ce qu'il faut et comment il faut le faire pour aller de l'avant et changer de cap, quitter de la précarité à la réussite, de la précarité au succès, de la précarité au sommet. Et c'était possible avec le jeune homme parce qu'il avait tout ce qu'il faut. Mais malheureusement, il arrive à cette étape, il veut se marier. Alors, la communauté s'est réunie urgemment. Congobon s'est réunie, coordination. Et là, les petits passent donc, n'est-ce pas, au tribunal. Nous appelons ça tribunal parce que simplement, c'est une évaluation. Nous devions donc traiter son cas pour pouvoir décider. Et dans le groupe, beaucoup de gens ont discuté. Et nous lui avons clairement dit que il y a un objectif déterminé. Et cet objectif, les bénéfices ne te reviennent pas directement maintenant, mais les bénéfices te reviendront quand tu auras atteint ton entreprise que tu vas gérer en ce moment-là, avec les gains que tu vas avoir, tu pourras alors te permettre tout ce qu'il faut. Et ça, c'est simplement dans 5 mois. 5 mois, l'entreprise est créée et tu gagnes ce qu'il faut. Tu peux alors te marier parce que tu auras beaucoup de bénéfices qui vont te permettre de pouvoir vivre ta vie, de vivre la vie de tes rêves. C'est possible.
C'est vrai, il a eu mal, il a été touché parce que lui était déterminé à se marier. Mais regardez, ce cas pour nous est d'une expérience très très riche et nous a démontré combien beaucoup de jeunes gens qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat, qui trouvent des raisons de les faire, qui s'engagent pour les faire, mais sont à un moment déterminé, n'est-ce pas, déboutés par leur volonté surprise de gérer autrement l'argent. Et ça, ce n'est pas une bonne, n'est-ce pas, une bonne affaire. C'est pas, n'est-ce pas, un bel exemple pour les autres jeunes qui s'engagent dans la méthode. Alors comprenez que notre méthode, c'est une méthode d'autonomisation. Et cette autonomisation arrive quand l'entreprise est créée, parce que nous vous accompagnons jusqu'à ces niveaux-là, à tous les niveaux qu'il faut. Et une fois que l'entreprise est créée, vous commencez à l'exploiter, vous commencez à l'activer. Et les bénéfices que vous allez avoir peuvent vous permettre de faire tout ce que vous voulez. Mais pendant la méthode qui vous enrichit, qui vous donne les capitales pour l'entrepreneuriat, vous ne pouvez pas engager la communauté dans ce genre de besoin. Compris? Alors, vous aussi, qui aimez exploiter cette méthode, qui aimez la tester, la checker, nous vous invitons à pouvoir vous inscrire, à envoyer...